Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Quand je te dis qu'ils sont en panique totale, ils savent plus quoi faire, plus quoi dire comme sottises et bêtises pour détourner le sujet, allumer des contre-feux. Bref, je te laisse regarder et écouter et on se retrouve après. Complètement lunaire. Il y a des choses difficiles dans leur famille, je veux dire, comme chaque famille. Il y a des décès, il y a des choses violentes qui se passent, etc. Monsieur Jean-Michel Trogneux, il existe, c'est son frère. D'ailleurs, il s'est porté partie civile lui aussi dans cette affaire avec les enfants, avec les trois enfants. C'est parti d'où cette histoire? Parce que deux idiotes sur YouTube, une qui se prétendait médium et une autre journaliste, on ne sait pas où. Alors en fait, ça viendrait de l'extrême droite, extrême droite, extrême droite, très lointaine, genre... très dur, une droite très très très... Genre Rivarol, quoi. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on appelle fait document, ça vient de là, les filles manipulées. Gilles, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ah oui, on regardait avec Bernard, qui était au-dessus. C'est fait document, qui est une sorte d'officine médiatique qui serait alimentée, j'emploie le conditionnel quand même, qui serait alimentée par des anciens du GUD, qui était un mouvement étudiant d'extrême droite. La GUD Connection. Qui alimenterait ça. Et qui aurait attisé ces jeunes femmes un peu crédules pour que parte la rumeur et pour que ça s'embrase. Alimentée, on dit aussi qu'elle serait, conditionnelle encore une fois, alimentée par des officines russes aussi, qui ont tout intérêt à déstabiliser le pays. Ça part de deux abrutis sur YouTube. Deux femmes abruties qui partent sur YouTube. Ça part de YouTube, nanani, des théories, pas si... basé sur des machins, sur des fakes, sur des rumeurs, sur des trucs. Bernard Montiel, il a sorti les rames, il se prépare pour les Jeux Olympiques, pour aller ramer dans la Seine, lui, dans la Seine toute dégueulasse, dans laquelle le prince Jupiter avait promis de se baigner. Mon œil. Bref, ils savent plus quoi inventer, ils savent plus quoi faire, comme je t'ai dit dans les précédentes vidéos sur ce même sujet. Et là, t'as Valérie Benaïm, t'as vu, en fin d'extrait que je t'ai montré, qui, elle aussi, rejoint la secte de Nolo, la secte des Nulos, la secte d'Éric Nolo, de tous ceux qui te disent que c'est la faute des pauvres petits Russes. Ces deux pauvres petites abrutis, comme dit Bernard Montiel, auraient été payés. C'est du conditionnel, comme dit Valérie Benaïm, par des officines russes, nanana. Ils seraient manipulés par les Russes. La rumeur viendrait des Russes, tout le mal du monde vient des Russes, le chômage explose en France, c'est les Russes, on n'arrive pas à payer nos factures, on a du mal à payer nos factures et à se nourrir. Décemment, c'est la faute des Russes, le prince Jupiter nous entraîne dans une troisième guerre mondiale pour éviter tous les scandales qui vont éclater, c'est la faute des Russes. Tucker Carlson fait une interview avec Vladimirovitch Poutine. L'interview fait plus de 3 milliards de vues. C'est la faute des Russes. Tucker Carlson a annoncé officiellement qu'il allait sortir un documentaire, un reportage sur justement ce dossier-là. Jean-Michel Trogneux, a.k.a. Jean Bribri, a.k.a. ce que tu veux, a.k.a. Où es-tu passé? Bref, donc c'est que c'est chaud. Je peux te garantir sur facture, tu me crois pas, je m'en fiche. C'est en train d'exploser partout sur les réseaux, partout sur la planète. Les États-Unis se sont emparés du dossier. Je peux te garantir que ça va péter. L'interview, ce que prépare Tucker Carlson, quand ça va sortir, ça va exploser tous les records, je pense. Nous, les Français, le monde entier. Mais eux vont se régaler, ils vont gober du popcorn, ils vont se, oh là là, comment j'aimerais être un étranger. En ce moment-là va arriver, bref, mais pour nous les Français, on ne se rend pas compte de ce que ça va être médiatiquement, historiquement, quand tout va éclater comme ça, cette manipulation, cette usurpation, ce scandale, tout ce qu'il y a eu au démarrage, l'histoire qu'il y a eu entre les deux, entre Prince Jupiter et Jean Bri, tout c'est extraordinaire. Et t'as encore des abrutis, des ahuris sur des plateaux télé qui sortent encore les rames, mais c'est même pas des rames qu'il faut sortir. Il faut acheter deux moteurs V12, vite les installer et faire le plein et vite se barrer. Ça sent pas bon. Bref, mais eux, ils sont là encore en train de sortir des rames, en train de trouver des excuses. C'est une branche de l'extrême droite. Alors, je savais qu'il y avait la droite et la gauche,
l'extrême gauche et l'extrême droite. Je savais pas qu'il y avait l'extrême, l'extrême, l'extrême. C'est vraiment le, c'est le pôle Nord. Tu vois, c'est, on est en Antarctique, c'est glacé. Oh. Les mecs, c'est plus des idées qu'ils ont dans le cerveau. C'est des glaçons. On les surnomme les Mister Freeze. Laisse tomber. Non, c'est de la faute de la Terre entière, mais pas de la rumeur. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, Bernard Montiel, et je vais te conclure la vidéo là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue non plus, a le culot de nous dire, alors peut-être que c'est vrai. Pour le coup, c'est moi qui vais employer du conditionnel, je sais pas, je vais prendre des pincettes. Mais lui, en tout cas, dit que Jean-Michel Trogneux existe, il est là, il existe, et qu'il se serait porté partie civile dans le procès que Jean-Brie a perdu contre ces deux abrutis de youtubeuses, comme il est nomme Bernard Montiel. Donc, bah, s'il existe et qu'il s'est porté partie civile, donc c'est qu'il a dû se montrer quelque part, je sais pas, et où c'est qu'il existe. Où est-il? C'est simple. Montrer une photo, ça va vite. Montrer une photo de tout le monde, ça va vite. Enfin, je sais pas, ça peut... Il y a une youtubeuse américaine à plus de 2 millions de vues qui a sorti une vidéo il y a 3-4 heures. Elle est déjà à plus de 200 ou 300 000 vues déjà en 2-3 heures. C'est 2-3 ou 4 heures, 2-3 heures, je sais plus. C'est énorme. Elle est en train de péter. Alors, tu m'excuseras, j'ai oublié Owens. Oh, oh, j'ai oublié son blaze. Quel abruti que je suis. J'aurais dû le noter, mais j'y ai pas pensé. Bref. Elle a dit dans sa vidéo qui dure une vingtaine de minutes, je crois. Je vais être honnête, j'ai regardé que les 15 premières minutes. Elle dit, au début, il y a 3 ans, ça lui paraissait une rumeur, elle n'y croyait pas du tout. Elle s'est penchée sur le sujet, elle a étudié le sujet. De la rumeur, c'est devenu une idée. Elle a encore plus recherché, c'est devenu une idée fondée. Elle a mis 3 ans pour aboutir à la conclusion que Jean Bribris était un homme avant d'être présenté comme une femme aujourd'hui. Comme elle le dit elle-même, et je vais conclure la vidéo là-dessus, ça lui a mis 3 ans. Pour faire cette enquête et pour arriver à la conclusion qu'elle a conclue. Ça vous prendrait juste 3 minutes. Moi, ça m'a pris 3 ans. Vous, ça vous prendrait juste 3 minutes de contredire toutes les bêtises et tout ce qu'on peut dire si c'est des rumeurs. C'est simple ou pas? Ça se verrait, ça, voilà. Il leur suffirait de quelques secondes, 3 minutes, comme elle dit. Et c'est fini. Moi, le premier, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, je ferai des excuses pour les propos que j'ai tenus. Je ferai des excuses les plus sincères, du plus profond de mon cœur, je serai sincère. Si c'est le cas, s'ils nous prouvent qu'on a tort, que j'ai tort, que tous les mecs comme moi ou les femmes comme moi qui font les vidéos ou qui pensent la même chose que moi, on a tort, je fais une vidéo, je m'excuse et je regretterai amèrement tout ce que j'ai pu dire d'odieux si c'est vraiment une femme. Mais j'y crois pas, parce qu'ils sortent pas de preuves. Ça prendrait 3 minutes. Non, ils ne sortent que des abrutis sur des plateaux télé ou à la radio pour essayer de sortir des rames qui n'existent pas, qu'ils ont même plus. Ils pagayent dans le vent, le bateau n'avance pas. Ils font du surplace, les mecs. Ils te sortent des trucs, machin, mais ils ne sortent pas les preuves. Palpable. Ça, là, le truc, on a là, tout le monde ferme sa bouche. Bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. En tout cas, ça prend une ampleur de fou. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos là-dessus. Et au-delà de faire des vidéos là-dessus, ça marche, ça fait des vues. Donc, c'est que ça intéresse aussi les gens. Moi, j'ai à peine 20 000 abonnés. Chaque vidéo que je fais sur ce sujet-là, c'est du 10, 20 000 vues minimum. Donc, c'est que ça intéresse les gens. J'aurais 100 000 abonnés, ça se trouve, je ferai plus de 100 000, 200 000 vues. Donc, c'est que ça intéresse les gens. Et t'as qu'à aller te promener sur X, anciennement Twitter, sur les réseaux. Et tu verras bien que tout le monde en parle, sauf en France, où on fait... On fait la politique de l'autruche. Là, on a la tête enfoncée dans le sol. Enfin, il y en a plutôt à l'Élysée qui aimerait l'avoir enfoncée dans un huc, selon leur pratique, dans leur parc d'attraction. Là. D'attraction, ils aiment bien ça. Bref, tu vois, on a des œillères comme ça, là. On a des émissions en France qui ont des œillères comme ça et qui font semblant, alors que tout le monde le sait. Charles III, là. Le roi d'Angleterre, il le sait, lui. Toutes les femmes qu'il a reçues au palais ou qu'il a pu voir lors de ses visites ou de ses réunions, peu importe leur truc, là, politique, royaux, là, à chaque fois, il prenait la main des femmes et il faisait un baise-main. Tu vois,
petite révérence et un petit baise-main, tu vois. Bah, je te laisse juste deviner la seule personne à qui il a jamais baisé la main, tu vois. Et à qui il a serré la main. Comme un bonhomme. Jean-Mich, vas-y, je te serre la paluche, on va pas faire semblant. Ouais, mais il y a des caméras. Vas-y, on s'en bat les yecs. Non, bref, je délire. Ouais, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.